Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec l'équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Responsable groupe Soge Bank dans partenariat avec Moncash, compagnie Digicel a présenté officiellement un nouveau service qui porte nom Bank to Wallet. Si c'est première fois visiter nos informations, nous partageons intéressé, pas oublier abonner avec Bombard Media now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media now là. C'est information ça nous porte pour vous. On suive. Bank to Wallet et pour client Moncacho et moi c'est un service et c'est un portefeuille mobile, OK, qui permet moun faire transaction chaque jour de manière sécure. Okay? Et dans optique faire produit ça grandi, nous t'ai commencé ouais qui gens nous capable connecter différents et types groupe de moun à travers réseau Moncacho là, OK? Donc nous connaît que gagnon quantité moun en Haïti qui bancarisé à peu près 11%, OK, et nous t'ai toujours dit que là nous financer et mon cachal nous finir une base en masse critique pour nous travaille tout pour que nous ca connecter moun qui gagne compte en banque avec moun tout qui pas gagne compte en banque ou bien moun qui gagne compte en banque mais qui a servi avec mon cash parce que pour eux il pratique, OK. Donc en fait et qui ça au moun ca fait avec connexion entre Soge Bank, compte Soge Bank avec Moncash. De manière très pratique, Moncash permet tout payer bill EDH, ou ka payer bill télévision, ou capable d'envoyer l'argent dans l'autre monde, qui soit notre ville ou bien dans notre département. Ok? Et dans le genre Moncash te commencé, faut que tu gagnes cash dans le monde pour aller à yon argent. Il y a plus que 3500 agents que nous gagnons à travers le territoire haïtien pour être capable de renflouer le compte, donc déposer l'argent sous compte. Avec la connexion entre Soge Bank et Moncash, vous êtes capable de chiter la caillou, ou monter sous Soge Bank, ok, et puis vous voyez comme là directement de compte en banque à compte Moncash sans pas déplacer, sans pas manipuler cash. Donc, son projet que nous avons travaillé sous lui depuis un petit temps. Et nous vraiment contents que nous venons et des possibilités pour nous réaliser le projet, ça, surtout dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Côté de plus en plus, il faut que nous évitions contact avec l'argent et puis il faut que nous gagnions ça nous mêler des gestes barrières. Donc, mon cash extrêmement content que nous avons un partenariat avec Soge Bank pour nous capables et côté de nous faire ça et nous marcher ici. Mon cash, son écosystème. Mais le système bancaire a tout son autre écosystème. Okay? Donc, dans l'écosystème et groupe Soge Bank, il y a un pilote élément, il y a un compte en banque, et nous avons Soge Easy, nous avons une cabine Soge Expression, donc un équipe élément dans l'écosystème, pas nous. Donc, depuis longtemps, nous avons constaté, alors nous avons besoin que nous connections deux écosystèmes, ça yo, parce que dans le monde actuel, là, et pas même avant la pandémie, hein, c'est que l'homme on a gagné Kobli, il faut qu'il fasse salver à Kobli. Il faut qu'il joue une meilleure façon pour qu'il joue un résultat avec Kobli. Ok, donc et dépendamment de route là, on les aura transférés pour un ami, besoin PDH, on a perdu. Il y a plusieurs circuits, il y a plusieurs routes, c'est ça nous l'écosystème yo. Et jusqu'à présent, c'est cash là qui te permet de connecter. Donc pour nous garder, là on a gardé l'écosystème là, et ça c'est spécialité pas Magalin. Ok, mais là on a gardé l'écosystème ça. C'est en vision que je pense que tout acteur a gagné depuis longtemps et n'a travaillé de solide depuis très longtemps. Il se retrouve que dans la pandémie et besoin vient accélérer. Donc évidemment les pandémies viennent sur nous, on est obligé qu'on y a la malgré tout les fonds d'affaires qu'on y a faut aller encore plus vite parce que justement pression des sur nous pour noter et bas résultat ça et nous content que justement et nous arrivons à mettre des produits ça sur le marché qui pour moi a résolu un peu le problème. Je pense que Nathaël a expliqué ça tout dans le sens que et à cause de coronavirus, il y a la foca éliminé contact, foca fait plus bail à distance. Mais même parce que m'barre de pression, lui juste fait nous comprendre en réalité qui est toujours là. Parce que et Jean-Yves Dial étant nous tout précieux, ok, et en anglais dit Tamis Money étant nous tout précieux, etc. Il n'est pas normal que Kounyala, que si nous avons besoin de faire son code qui est électronique, parce que si il est sous Soge Bank qui est déjà électronique, Kounyala, forme convertir en cash, bail sous agent mettre sous mon cash, pour Kounyala faire l'autre transaction qui est électronique. Okay? Donc, effectivement, il n'y a pas de fond sens, même parce que dans la pression et COVID, nous avons senti que ça n'a pas de faire sens, il faut nous aller plus vite pour nous résoudre.
Mais techniquement, et ça qui est possible, qu'on y a là, tout mon compte Soje Bank et qu'on inscrit à Soje Banking. Soje Banking, c'est application en ligne, nous, ok, qui permet tout d'accéder, manipuler compte bancaire, et sous application. Sous bien accès à Soje Banking, qu'on y a là, ou qu'a fait transaction de Soje Banking vers et mon cash de manière électronique. Donc, la caillou, sous téléphone ou sous ordinateur, ok, ou bien compte ou choisi un bénéficiaire, donc un monde qui va recevoir mon cash ça, et nous allons faire une démonstration pour le public là tout à l'heure là. Ok, les bons numéros de téléphone, nous allons voir le cobla pour lui directement sur mon cash, et là pour recevoir une confirmation que un tel voit le cobla pour lui sous mon cash. Et bon, sans parler de trop de détails techniques, mais un point est que beaucoup de communautés de développeurs qui suivent mon galin, donc qui j'en nous arrivent à faire ça entre Digicel et Soje Bank. Nous mettons un API en place. Donc, API, c'est son moyen que deux ordinateurs communiquent. Donc, on dit serveur et mon cash là avec serveur et Soje Bank, communiquer sans moyen humain. Donc, c'est ça API à faire, c'est que lui permet de faire transmission ça sans que par une intervention humaine. OK? Donc, seule intervention humaine, c'est mon cap rentrer information pour voir le problème et qu'il y a là, on a recevoir une information électronique tout qui dit qu'il recevoir. Donc, nous allons partager l'écran, moi, pour nous faire une petite démonstration pour montrer nous exactement j'en facile pour transférer l'argent de compte Soje Bank nous à compte mon cash. Qui c'est l'application Soje Bank là? Jean-Michel te dit à l'heure. Et nous allons mettre les username. Oups. Alors, femme, c'est notre premier temps. Pour moun pa gen aksè a servis sa, fò gen kont Soje Bank. Deuxième étape, fò souskri a servis en ligne yo. OK? Donc automatiquement ou rive sou page ki bon tout enfòmasyon sou kont yo et puis ou ale sou transfer. OK? Lò ale sou transfer, ou ap pran bouton mon cash la. Pa ale trop vite. Désolé. Donc ou ale sou bon fè back pou m ka montre nou. Ça c'est portal Soje. Ça c'est compte yo. Ça c'est portal Soje Banking là côté que toute information pour mon compte Soje Bank, toute information pour tout, et qu'on souscrit sur Soje Banking, toute information pour tout paraît sur page ça. Ça, c'est page initiale là. Landing page, je les ça. OK? Donc, il y a plusieurs options sur landing page Soje Banking. Là. Nous allons aller sur l'option transfert là. C'est là qu'on va joindre le lien qui peut mener sous mon page. OK? Donc, moi, après ce transfert, automatiquement, là, c'est toute option de transfert qui gagne qui est possible sur Soje Banking. OK? Donc, aller sur mon cash, puisque je dis, c'est lui-même qui est intéressé, non? Il fait sous lui. Alors, il faut mentionner que, première fois que l'on a monté sur mon cash là, l'on a demandé nous ajouter un bénéficiaire. OK? Et là, sur le côté droit là, donc, à côté moi, pointé, personne, moi, l'on a mis ajouter un nouveau bénéficiaire, c'est un processus qui est très simple. OK? Naturellement, il faut que le bénéficiaire ça souscrit à mon cash déjà, sinon, transaction n'est pas faite. OK? Donc, vous mettez nom, mon code pour le voyer là, allons dire Nathaël. OK? Numéro de téléphone, ni. Et puis maintenant, on sélectionne Digicel, bien sûr. OK? Et puis soumettre. Mais, on était déjà, comme dit nous, avant moi, faire démonstration, ça me fait déjà mettre Nathaël sous liste client, moi, sous liste récipiendaire, mon cash. Donc, il ne peut pas paraître. Il ne peut pas faire transaction ça. Par contre, on va montrer nous qui j'ai transaction. Transfert de Soje Bank, de compte Soje Bank à mon page qu'a fait live. Donc là, on va sélectionner compte en goût de moi. M'a sélectionné Nathaël, okay, puisque m'a déjà enregistré le numéro téléphonique, et m'a envoyé 100 gouttes pour Nathaël. Description, m'a mis petit cadeau de Soje Bank. Je veux un petit cadeau aussi. Un petit cadeau de Soje Nathaël. Quand, maintenant. Et puis, soumettre. OK? Et là, tout détail transaction apparaît. Côté là, bon, numéro de compte qui débute, qui est soit voué transaction, montant transaction, ou note. Si son monde qui va payer, ou qui va mettre paiement Télé-Haïti, paiement EDH, OK? Et puis frais. Naturellement, moi-même, frais pas apparaître pour moi parce que moi, je suis privilégié parce que je travaille sur GBank. Donc là, frais pas apparaître. Mais normalement, frais sont minimum de 1 goutte, un maximum de 375 goutte. OK? Et pour un pourcentage de 0,5%. Donc, ça veut dire que pour 0,5%, il y a 375 gouttes, ou pas qu'à payer plus, ou pas payer plus que ça. Est-ce que me clair? Alors, on clarifie ça très bien. Beaucoup. Parce que, je vais te question là, quand je vais te demander pour question frère. Ça veut dire que normalement, frère, c'est 0,5% du montant à vous,
Mais exactement. Si, seulement s'il était entre une goutte et 375 gouttes, il n'y a pas à aller plus haut. Clair. Bravo. Il n'y a pas à aller plus haut. OK? Et puis, soumettre. Maintenant, qu'on y a, il m'a dit générer un OTP. OTP, c'est one time password. Ça veut dire un mot de passe unique. OK? Donc, on va choisir le numéro de téléphone, ouais, et puis on va recevoir OTP. Moun qui habitué de à SOG Banking, qu'on OTP a très bien son mesure de sécurité que nous établit pour nous capables de vérifier que c'est ou même qui a fait transaction et nous recevoir li et par email et par SMS. Merci, mon calé. Non, nous sommes clients SOG Bank, mais nous faisons ça. Et puis là, qu'on y a une transaction à soumettre, donc ça veut dire la transmise, côté que Nathaël, tout à l'heure, pour nous montrer nous écran parlant, côté que le reçoit un transfert comme vous voyez lien. Et voilà, là, qu'on y a une confirmation, par contre, c'est une Kaweli, confirmation, Noël. Ok, très bien, et puis, that's it, terminé, et puis là, j'ai même tout, moi, j'ai reçu un SMS confirmation par maintenant, qui dit, moi, vous avez reçu 100 groupes de SOG. Li bon balance actuellement tout et puis li bon numéro de transaction ça et le qui passe là. Et juste pour rappeler tout le monde, tout utilisateur mon cachet qui a utilisé ou bien menu à travers *210 ou bien nouveau application mon cachet qui est disponible depuis février, il est disponible sous iOS avec sous et Android. Vous montez sur application là, m'aller dans sélection plus qui c'est trois petits boutons à droite au bas. Et puis, je suis dans l'historique de transaction et déjà, je suis en train que Tatiana mettait sous compte. Et être en vert parce que son crédit qui fait sous compte. Et donc, je suis déjà et de manière automatique et Cobla qui vient sous compte. Pour qui ça? Est-ce que SOG Bank avec Digicel voulait lancer produit ça? Donc, du côté SOG Bank, c'est que nous voulons élargir l'éventail de produits que nous avons offert clientèle là. Okay? Produits technologiques. Et puis ensuite, c'est faciliter l'échange entre clients. Et puis troisième bagarre, bien sûr, c'est faciliter la vie client. Parce que nous, on a une transaction simple, j'en facile, et j'en ai qu'à résoudre un petit problème. Ça veut dire, moi-même, je suis dans la caille, moi, j'ai une famille qui a un problème, je ne suis pas obligé de courir, descendre la banque, pour un paquet de trafic, etc. etc. Je suis dans la caille, moi, mon ordinateur, moi, monté sur SOG Banking, moi, fais un transfert sur mon cash, lui-même, il recevra, les gens vont décider. Faire ça le vrai avec lui. Les gens vont décider de voir le bain que le besoin paye. Ils vont décider de faire un achat en SOG Express. Pablo déjà l'a mis en moins de, je ne sais pas moi, 45 secondes. Donc vraiment, SOG Bank travaille pour faciliter la vie client, pour inclure le plus de monde que possible dans l'écosystème, lien, okay? Dans le réseau. Lien. Et puis, côté modernité à toute clientèle. Lien. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.